après, c'est qu'est-ce qu'on veut faire comme boulot aussi. Il y a des facteurs. Il y a plein de choses. N'importe quel ancien migrant qui a eu ses papiers, qui s'est inséré, aujourd'hui, on a plein d'exemples de gens qui sont en CDI, qui bossent et qui n'ont pas de soucis. Donc, la question des papiers, c'est primordial. Et la question du boulot, avoir le droit d'avoir une activité. Rassemblement. Alors d'abord pour le soutien donc, aux réfugiés syriens et surtout pour, c'est vrai, la photo d'Aylan, ça nous a vraiment touchés. Donc on a voulu se mobiliser et soutenir surtout. Et puis dans un deuxième temps, en rencontrant le collectif là, des associations, on a voulu savoir comment on pouvait venir en aide à ces migrants. Mais ce qu'il faut faire, c'est des actions sur le long terme. Et les actions sur le long terme, il leur faut un toit où habiter et légaliser leur situation surtout. Déjà, on compte venir au collectif, rencontrer tout d'abord les migrants, essayer de voir comment ils vivent. Apparemment, ils vivent dans des conditions inadmissibles. Et donc, essayer de leur apporter un soutien moral, déjà, un soutien moral. Un soutien au niveau aussi, leur amener un peu de vêtements, parce qu'apparemment, ils ont besoin de vêtements. Et voir ce qu'on peut faire concrètement pour eux. Pour,